C'est pas possible ce mec. Ah, c'est pas moi qui ai foiré là. Je vais pas dire ça du coup. Je vais changer, repose la question. Attends, reset. Maintenant je vais rigoler. Eh ouais. J'ai rejoint le club cet été parce que je suis rentré tôt en contact avec le coach, Jordan. Et de suite, il m'a fait part de son projet, de ses ambitions pour l'avenir, l'avenir avec moi. Et ça m'a de suite plu. Je me suis de suite senti à l'aise dans ce projet. Très bonne. Franchement, on a un bon groupe. On a vraiment des bons gars. Il y a un vestiaire qui vit bien, très bien même géré. Puis ça se ressent aussi sur les résultats du début de saison. Pour moi, c'est Joris Mendy. Ah, parce qu'il est trop fou. Franchement, il est trop marrant, ce mec. C'est un gars qui me fait vraiment rire, constamment. Mon premier banc, mon premier groupe en Ligue 2, avec mon ancien club de l'AC Ajaccio, mon club formateur, c'était au Red Star. Et j'ai deux bons souvenirs cette saison. Le but de Jasser à Toulon, une bouffée d'oxygène sur ce fin de match. Et très récemment, là, ce passage au... pour le 7ème tour de Coupe de France face à Evian, la victoire 2-0 à domicile. C'est Iker Casillas, que j'aime beaucoup, et à l'heure actuelle, mais qui joue plus beaucoup, c'est Keylor Navas. Bah, je suis gardien de but, j'aurais dit Thibaut Courtois. La fameuse question. Un petit clin d'œil à Jasser. Je trouve que franchement, on démontre de très belles choses depuis ce début de saison, mais on sait très bien qu'on peut bien mieux faire. Je pense à la défaite contre l'OL, qu'on aurait pu largement éviter. Je trouve qu'on fait un début de saison satisfaisant en comptant aussi la préparation. Il y a encore beaucoup de matchs, donc c'est tôt pour juger. C'est plus la pression, elle est plus sur l'attaquant. Moi, j'ai aucune pression. S'il marque, on dirait à la limite que c'est normal. J'ai réussi à l'arrêter, c'est tant mieux pour l'équipe. Ouais, c'est une compétition à part. On le voit tous les ans, il y a tous les ans des surprises. On l'a vu l'an dernier avec Versailles, on l'a vu l'année d'avant avec Rumilly. C'est une compétition qui fait rêver beaucoup. Et pourquoi pas, on l'a dû cher cette saison. Comme chaque semaine, tous les matchs sont différents, mais la préparation reste souvent la même. Dès lundi, faire une grosse semaine, bien commencer. Et petit à petit, plus les jours avancent, commencer à rentrer dans sa bulle pour entamer de la meilleure des façons cette rencontre vendredi. Les jours de match, j'ai ma petite routine avec mes écouteurs, mon casque en général, mes musiques. J'aime bien discuter avec ma femme d'autres choses que du foot, parler avec mes proches d'autres choses pour sortir aussi un peu de ce contexte de football et rester focus. Mais après, très vite, arrive le moment de l'échauffement et on rentre vite dans sa bulle. Juste qu'on fasse un très gros match vendredi, revenir avec des points de ce déplacement qui sera pas un match facile, on le sait très bien. Et puis tout simplement revenir avec des points. C'est tout bon.